Coucou Chexy! Coucou! Comment ça va aujourd'hui? Bah, très bien! Et vous les copains et les copines, on espère que vous allez bien aussi! Qu'est-ce qu'on va faire Chexy? On va faire un prank! Oui! On va aujourd'hui pranker ma petite sœur Ayataka Mourir. Et je vous vois venir hein, dans les commentaires, vous moquez pas de son prénom, c'est pas cool, d'accord? Et donc, Ayataka Mourir. Ah bah oui, la pauvre. La dernière fois, elle a pleuré quand même quand elle a vu les commentaires sur la vidéo. Hein? En tout cas, abonnez-vous. Mettez plein de... Oui, abonnez-vous. Plein de pouces bleus. Et ouais, du pour coup... la YouTube monnaie. Ouais, mettez les commentaires tout pour le référencement. Et ouais, pour la YouTube monnaie, les amis. Et aujourd'hui, on va faire un prank. Je vais vous expliquer. En fait, comme vous l'avez constaté, on n'est pas à la maison aujourd'hui, on est dans une écurie, un harem, je ne sais pas trop comment on appelle ça, moi je suis pas très... je m'y connais pas très en poney, mais bref, en tout cas ma sœur, ma petite sœur Ayataka Mourir, en fait tous les week-ends, elle vient ici pour faire du poney, elle a un cheval, d'ailleurs, qui s'appelle Lasagne, qui est juste là-haut, et en fait, bah, tout ce qu'on va faire, c'est que nous on va cacher le cheval, et comme ça quand elle va arriver avec, mes papas, eh bien, ils vont pas trouver le cheval et on va les pranker comme ça et à la fin, on va leur dire où on a caché le cheval. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller cacher le cheval. Et go, c'est parti. Allez, vas-y, je te filme. Vas-y. Alors là, c'est Lasagne. Allez, coucou, Lasagne. Comment tu vas? Tu veux que je le chevauche? Ah non, c'est bon. T'inquiète. Allez, vas-y, on y va. Ok, on va le mettre... Où est-ce qu'on pourrait dans le cacher? Dans le cheval? Dans la grange, là-haut? Dans la forêt, où est-ce qu'on pourrait le cacher? Oh, derrière la colline, là-bas, là. Derrière la colline? Ok, on va le cacher là-haut. Vas-y, vas-y, attends, je vais courir. Comme ça, le cheval, il te suit, c'est bien. Épuisé. Non, Lasagne, arrête de manger les cheveux de Misrachi. Arrête, c'est pas de la paille, ouais. C'est des cheveux. Arrête abîmés. De mes cheveux. Je passe du temps à les coiffer. Ah. Ici, allez. Lasagne, tu mets ici. Ok, parfait. Lasagne, pas bouger. Sinon, on fera du steak de cheval, hein. Pas bouger, pas bouger, Lasagne. Tu restes ici, tu restes sage, bon toutou. Assis? Non? Ok, bah, reste ici. Pas bouger. Donne la pâte. Donne le sabot. Non? Mais c'est... Mais il est nul, ce cheval, il écoute pas. Il veut pas donner sa pâte, il s'assit pas, rien. Voilà, Lasagne... C'est un cheval, quoi. Ouais, mais moi je pensais que c'était comme un chien, moi. Oh, oh là là. Donc la YouTube monnaie, la prochaine fois, je m'achète une trottinette électrique. J'en ai marre, hein. Ouais, faudra qu'on s'achète un coca à la vanille. Oh, coca vanille. Bon. Ouais, oh là là. On va attendre que du coup, mes papas, ils arrivent. Je leur ai dit que j'étais déjà sur place. Et du coup, ils doivent ramener Ayataka Mourir avec eux. Attends, j'ai un peu soif là. Je crois que c'est... En fait, il y a plein de baffes de cheval ici, hein. Pas grave. Ah. Ouais. Voilà, on est arrivé. Salut papa. Oh, la voiture. Ce qu'on appelle en entrée fracassante. Ouais, clairement. Comment ça va? Regardez, je me fais... regardez là, je suis en train de vous snapper. Alors papa, pourquoi t'es habillé comme ça papa, qu'est-ce que t'as fait encore? En fait, je suis parti dans une ruelle et on m'a volé mes vêtements et on m'a dit de danser avec ça pour que je puisse survivre. Du coup, je l'ai fait. Ah d'accord, donc c'est pour ok. À, c'est pour dire à l'autre femme là. Ok, c'est parfait. Ok, bah écoutez, bah comme prévu, on est venu ici pour regarder Aya Taka Mourir faire du cheval. Parce qu'on voulait la filmer pour une vidéo YouTube. Voilà. Pourquoi tu filmes des chevaux? Bah ouais, les chevaux, ils aiment bien les chevaux sur YouTube. Oui, Ayataka Mourir, ça fait de la YouTube monnaie? Bah ouais, ça fait de la YouTube monnaie, les chevaux. Oh oui, tu vas travailler. Sur le cheval. Alors regardez là, vous avez Ayataka Mourir en train de cheval. Attends. Oui, Lasagne. Mais il est où ton cheval? Lasagne, vous m'expliquez, s'il vous plaît? Il est où le cheval? Bah, je sais pas, nous on est venu à peu près en même temps que vous, du coup on sait pas trop, on a pas fait attention. Attendez, drama, Ayataka Mourir a perdu son cheval.
Oh mon dieu. Et c'est grave parce qu'un cheval de nature, il savent rien faire à part courir. Du coup, s'il court trop vite et qu'il a peur, ben son cœur va s'arrêter de battre tout simplement. Donc là, faut le retrouver là. Sinon, ouais, ça peut mourir facilement dans la nature des chevaux. Comment ça peut mourir facilement? Leurs cœurs sont très fragiles, du coup ça lâche assez rapidement quoi. Quand ils ont très peur et qu'ils courent parce qu'ils ont beaucoup d'adrénaline, les chevaux. Oh my god! Il peut faire des crises cardiaques, non? C'est vraiment. Non mais sérieux, change-toi là, t'es pas crédible! Bah j'ai plus de vêtements en jeu. Attends, Misrachi filme mon père, ça fera des vues. Vas-y. Tu veux que je fasse la. Attendez, je vais faire la danse que les adresseurs m'ont dit de faire. Ils m'ont dit de faire ça là, comme ça. Voilà. Oh bah regardez son cul, les gens! On va renommer la vidéo bien. En mon père danse à moitié à poil dans l'écurie. C'est drôle. C'est comme ça. Par contre, on parlait de cheval. Ouais, c'est vrai. De base, on parlait de lasagne, quoi. Faut retrouver lasagne. Y a pas papa. Tu peux pas appeler le chef de l'écurie là pour lui demander s'il l'a pas embarqué quelque part. Je vais téléphoner vu que je suis en homme d'affaires. Parce que là, c'est plus possible. Hein. En plus, il commence à faire nuit et tout. Alors, mon téléphone. Je vais prendre ton téléphone, chérie. Hop, bah, parce que moi, je me suis fait voler mon téléphone. Nous, on était juste venus pour te filmer, faire du cheval, quoi. Regarde, écoute, Ayata Kamourir, si on n'a pas le cheval et qu'on peut pas te filmer, on fait pas de vue, quoi. Donc, ça, si on a ouais, qu'un intérêt. J'en ai rien à faire, je suis sûre à mentir, c'est sûr que c'est un de tes pranks à la noix de coco. Bah, j'espère que c'est pas un prank, sinon ça va mal se terminer entre vous. Entre nous, là, plutôt. Non, mais t'inquiète, allez, vas-y, fais un petit sourire plutôt pour la caméra, ce sera mieux. Ouais, bah, un sourire vite fait, mais vous allez partir le chercher là en fait. Mais nous, on va venir avec vous si vous voulez, hein, mais. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Le directeur de l'écurie, il a répondu. C'est une très bonne nouvelle du coup qu'il a répondu. Et ce qu'il m'a dit, c'est que il y avait beaucoup de loups dans la forêt. Et que aussi il y avait des chasseurs, c'est la saison des chasseurs. Quoi? C'est à quoi ça, c'est la saison des chasseurs? C'est la saison des chasseurs. Et c'est une dernière très très bonne nouvelle, mon dieu. Oh là là. Non mais bah, c'est une bonne nouvelle, il a répondu. Ayata Kamourir d'Ivoire, c'est la saison des chasseurs. Mais je n'ai rien à faire de toi. Attendez, et ça veut dire qu'on aura le droit du steak de cheval? Oui, c'est la saison des chasseurs. La saison des quoi? Des chasseurs. Ayata Kamourir, c'est la saison des quoi? Des chasseurs. Des chasseurs. De sa sœur, ok. Oui. Oh, on va te remettre à l'école. Okay. Hein. Ça, c'est pas bien là. Là, c'est les vacances, ça te tue. Mais je te rappelle que tu m'as arrêté l'école parce que j'étais trop pauvre. Ok. On arrête les bêtises là parce que c'est vraiment la saison des chasseurs. Là, faut arrêter. Il faut qu'on dise la vérité. Et en fait, c'était un prank. En fait, on a effectivement caché lasagne dans la forêt. Ah, d'accord. Ouais. On l'avait attaché du coup. Est-ce qu'on l'a attaché? On l'a attaché, Miss Rachid? Non, on l'a laissé à la vie sauvage. Ouais, on lui a dit, tu restes pas bouger. Vous êtes sérieuse? C'est pas un chien, je suis sérieuse. Ouais. Bah quoi, il va rester normal, non? Bah non, le cheval, bah non, il va se barrer. Quoi? S'il est pas attaché, tu crois que c'est un chien, tu vois, c'est un petit toutou, là, qui va dire, reste ici. Attends, faut y aller, vite, on va le chercher. Tout le monde se calme. Probablement il est mort à cet instant, quand il y avait beaucoup de loups dans la forêt. Bon, toi, arrête de dire, paniquez pas. Alors, je sais pas, Mais il est toujours dis pas la vérité. Oui, qui adore les lasagnes. Le cheval, il est pas du tout mort, pas du tout mangé par un loup, pas du tout tué par balle. Et c'est la saison du chercheur. Faut les rassurer, c'est ça le but, faut les rassurer. Il est plus là. Comment dire qu'effectivement, en fait, on l'avait. Bah, regarde, en plus, il y a une bouse toute fraîche là. Mais ouais, il y a pas de lasagne. Tu sais que là, t'es vraiment inconsciente en fait là. Moi je savais pas, moi je pensais qu'il allait rester ici le cheval. Bah non, c'est pas un chien. Tu vas pas dire assis par terre, non. Bah non, c'est pas un chien, faut l'attacher. Tu attaches pas, il va partir. Bah bien évidemment, mais t'es inconsciente, c'est pas possible. Faut vraiment que vous arrêtez YouTube, hein. Vraiment là, faut vraiment que ça change. C'est plus possible. Là, avec vos pranks tout pourris là qui. Non. Là ça va plus, Vous êtes puni de YouTube. Mais vous devenez. Mais non, vous pouvez pas me punissez pas YouTube. Vous devenez cinglé à cause des pranks, ça va plus là. Vous avez perdu un cheval de vos petites sœurs. Non mais ça veut dire quoi ça? Mais j'en rachèterai avec la YouTube monnaie. Non mais la YouTube monnaie de quoi? Des pranks, je te rappelle. Un cheval, c'est pas un objet hein. Et là, sur la Wi-Fi.
On s'en fout de tes vues, d'accord? Si tu veux avoir de l'argent, tu travailles, tu vas à l'école d'abord et après tu travailles. Ramasser la box, on la met au boulot. Voilà, faut arrêter d'internet. Prends que la ridicule avec un cheval. Non mais, sérieusement, vous êtes, vous êtes inconsciente. Là, c'est ouf. Inconsciente. Moi je vous dis, hein, on va se racheter ce cheval là. On va se racheter. De toute façon, toi, Ayataka à mourir, de toute façon, t'es nul à l'école, fallait que t'arrêtes le cheval et fallait que tu retournes à l'école. De toute façon, t'es nul à l'école. Tu sais même pas dire chasseur. Non mais, peut-être qu'elle est nulle. Peut-être qu'elle est nulle, mais c'est pas. Non, je sais pas, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ouais, tu dois l'encourager, je sais pas. Encourage-la, mais n'enlève pas son cheval et après, encourage-la. Non mais, encourage-la, c'est ce que tu dis. Encourage-la. Mais. Alors. Il faut qu'on. Et si on tourne la chose différemment? Si on part du principe qu'en fait, que ce pauvre cheval, il était dans sa box toute l'année, bah je lui ai rendu sa liberté. Oh, non mais. Oui, en le tuant. Liberté, devant le vent, dans l'eau. Ouais. Bah, pourtant, vous savez quoi? Le cheval, vous allez l'acheter avec vos propres argent. Moi, j'achète rien du tout. Et ce problème-là, je pense que vous allez vous démerder. Parce que moi, les problèmes, j'en veux pas ici, d'accord? Donc, essaye de trouver une excuse, parce que là, ça va pas faire du tout. Tu trouves une excuse, et vous allez vous-même racheter le cheval, parce que là, c'est... Non, c'est pas possible, vous êtes inconsciente, c'est n'importe quoi. Non, c'est... Okay, ouais, je vais vous punir, de toute façon, je vais vous punir, hein, de Wi-Fi et tout, hein, je vais tout couper. Ouais, mais, hein, là, papa, c'est... si tu me punis de Wi-Fi, je pourrais plus poster des vidéos sur YouTube et je pourrais pas lui racheter un cheval. C'est le principe, bah, pour le cheval, tu vas attendre... Bah, tu vas faire des économies, en fait, hein, tu vas travailler. Hein. Je vais pas travailler, moi. Ah ouais, c'est tout simple, hein. Tu vas aller travailler et tu vas faire des économies et tu vas lui racheter un cheval. Hein. Bah, j'ai une idée. Hé, Texi, qu'est-ce qu'il y a? Texi, j'ai une idée. Ouais, d'avoir. Ouais, j'ai une idée. Dis l'idée. Papa, j'ai une idée. Vas-y, dis-moi. Non, bah, en fait, l'idée, c'est qu'en gros, c'est qu'elle repaye le cheval, mais en gros, c'est qu'elle travaille. En fait, elle fait le travail à votre place. Donc, en gros, au lieu que toi, t'ailles trop travail, mais en gros, elle fait ton travail. Vas-y, va voir comment ça fait. Comment ça fait mon travail? Je comprends pas. Elle gagne de l'argent, c'est ça? Bah, toi, tu vois, genre, bah, elle gagne de l'argent à ta place. Bah, là, bah, au pire, je vais faire un prank comme quoi je lui rachète un cheval, mais en fait, je lui achèterai pas un cheval. Je achèterai un chaton. Ça coûte moins cher, un chaton, non? Ouais, je pense. Non, bah, attends, mais du coup, comment tu vas faire pour poster des vidéos? Bah, je vais venir chez toi, je vais les poster chez toi, hein. T'inquiète. Ouais, au pire, vas-y. Je les filmerai et puis on fera les vidéos chez toi, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Vas-y, on postera. Je ferai les miniatures si tu veux. Vas-y, on fait ça. Vas-y. On fait ça. Les gens, c'est la fin de la vidéo, hein. Et vous avez remarqué, les gens, sur la vidéo, il y avait des taches de sang là où on a laissé le cheval, j'ai pas osé le dire, attends, mais... Attends, j'ai une idée. On va faire l'outro à la soin des néo, ok? Vas-y, c'est quoi? Lâchez la plus gros pouce bleu, abonnez-vous, on vous fait des gros bisous, on vous adore, bye bye tout le monde! Bisous!